retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un vlog. Je suis beaucoup trop excitée parce que aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui mais il y a quelques temps, j'ai eu mes 1000 abonnés, 1,02K sur YouTube. Donc je vous remercie pour tout ce que vous avez fait, pour tous ceux qui se sont abonnés, je vous remercie. Et si c'est pas encore fait, allez tous vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est tout simple, vous appuyez sur s'abonner et sur la petite cloche. Et si c'est déjà fait, ajoutez-moi un petit commentaire et un petit like, ça ferait hyper plaisir. Donc aussi, je voulais vous annoncer qu'il y aura un concours sur mon Instagram. Donc à la fin du confinement, donc le 11 mai, il y aura un concours pour gagner des friandises. Du coup, le concours se passera sur mon Instagram, mais du coup ça sera le 11 mai parce que bah là mes friandises que j'ai, ils sont déjà entamés, donc voilà. Mais sinon aujourd'hui je vais vous lancer le défi des 200 abonnés sur Instagram. Donc vous avez tout le temps que vous voulez, les 200 abonnés sur Instagram, et je vous balance la servitour. Et si j'ai 200 abonnés sur mon TikTok et sur mon Instagram, je vous lance la pâture à Nirvana. Donc je vous la présente, je vous présente les clôtures, où elle sera, sa nourriture, etc. Je vous présente tout globalement. Du coup, bah, allez tous vous abonner en masse. Et aussi, allez tous m'ajouter sur Snapchat. Je vous mets les petites photos de mes comptes. C'est parti. Donc là, c'est mon compte TikTok. Il manque, donc il y a 145 abonnés. Je ne sais pas combien il manque, mais ça se rapproche. Donc allez me faire les 200. Alors voici mon Insta, divine-nirvana1417. Il y a 172 abonnés. Allez tous vous abonner en main. Et voilà mon compte Snapchat. Donc on a changé d'environnement. On se retrouve en direct de ma chambre. Et je me suis trompée aussi parce que ça sera un Instagram contrôle ma journée. Donc on va commencer bam avec un premier sondage pour comment je m'habille. Parce que je suis déjà habillée, mais j'allais pas tourner en pyjama. Sachant que j'étais en sous. Alors j'ai fait un petit sondage pour savoir ma tenue. Je vous la fais montrer tout de suite. D'un côté, on part sur un pantalon d'équitation basique avec un pull court. Et que bah voilà. Sur le côté, donc la tenue 1, on part sur un pantalon basique noir et un t-shirt, donc un pull, enfin un maillot quoi, parce que ça a longue manche. Un maillot équitation, voilà, et ça. Et ça. Donc je vous attends en masse les potes. Donc ça y est, vous avez voté, je vous mets le petit screen maintenant. Voilà. Voilà le screen, donc c'est la tenue 2 qui est juste là. Du coup, c'est parti, je vais m'habiller, transformation. Voilà, petite transformation. Aujourd'hui, je vais vous refaire un petit sondage pour du coup vous demander ma coiffure, donc si je la laisse attachée ou si du coup je l'attache. C'est parti, on va faire ça tout de suite. Donc j'ai fait un sondage pour savoir si j'attachais mes cheveux en queue de cheval ou je les laissais détachés, et le sondage part de même. Je vais vous faire montrer ça tout de suite. Donc voilà le screen. Voilà le screen, donc c'est bien une queue de cheval qui gagne. Donc je vais faire la queue de cheval. Bien, tout d'abord je vais vous faire montrer comment faire une queue de cheval. Vous avez besoin d'un élastique, voilà, et d'une brosse, hop, et aussi d'un démêlant. D'une brosse, d'un démêlant, un élastique, ça fera l'affaire.
Alors, vous me appliquez du démêlant ou vous n'en appliquez pas si vous n'avez pas besoin. C'est pour démêler, en fait, le démêlant. Normal, mais bon. Alors, tout d'abord, vous commencez par coiffer. Hop, vous coiffez. Et après, laisser détacher, bah, c'était pas les attacher, quoi. Enfin, vous le savez parce que vous n'êtes pas bête non plus. Moi, c'est bon, ils sont déjà démêlés. Alors, ensuite, vous allez prendre l'élastique autour de votre poignet. Vous penchez. Comme ceci, prendre toutes les mèches de votre tête. Regardez donc dans un miroir. S'il n'y a pas de bosse, parce que ça serait moche. Hop. Ensuite, vous remontez brusquement. Et là, vous les attachez avec votre élastique. Et voilà, vous avez une queue de cheval. Voilà, vous avez une queue de cheval. Et ensuite, bah, du coup, vous la brossez. Vous brossez à l'intérieur votre queue de cheval pour que ça fasse tout propre. Ensuite, je vais vous lancer du coup un autre sondage pour savoir si je mets du parfum et si je me maquille. Donc c'est parti. Chou. Voilà, il n'y a plus de boss, c'est mieux. Je vais aller voir le sondage, c'est parti. Donc j'ai regardé le screen, j'ai regardé le sondage et ils n'ont pas encore décidé. Vous n'avez pas encore décidé. Du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir voir Divine. Je vais vous filmer ça et je lui ai préparé des carottes pour du coup la sortir, lui donner. Et après la re-rentrer. Et voilà. Donc on va vous filmer ça. Donc là on est arrivé au poney. Alors elle est là. Comme ça. Là par contre c'est la merde pour la sortie. Tu vas voir les autres. Je veux Divine. Donc là elle est en train de manger ses carottes. Après on la remettra. On a pris les brosses. Alors j'avais fait un petit sondage, donc là on est rentré, j'avais fait un petit sondage pour vous demander ce que je mangeais entre des pâtes et de la macédoine et je vous mets le screen tout de suite pour prouver que vous avez dit à la majorité, 72%, vous avez demandé que je mange des pâtes, donc je vais manger des pâtes. Je ne sais pas, peut-être avec une omelette, peut-être avec un steak, je ne sais pas, ou une fricadelle, je ne sais pas. Donc c'est parti. La viande hachée. Donc voilà, vous avez donc les pâtes c'est 1 et vous avez voté 75 à 25 pour les pâtes. Donc je vais manger des pâtes avec du coup de la viande hachée. Donc là, je vais vous lancer un dernier sondage avant que je mange. C'est quel TikTok je fais. Quel TikTok je fais. Donc, est-ce que je fais des TikTok. Donc, je vais le poster et je vous le ferai montrer. Tout de suite, donc, d'abord, je vais vous demander si je fais des TikTok. Donc, vous avez été la majorité pour que je fasse des TikTok. Donc, je vous mets toujours... Et encore le screen pour prouver que c'est vrai. Je remonte le tambour. C'est vrai, je fais des TikTok. Donc voilà. Du coup, c'est vrai, je vais faire des TikTok. Je vais les publier. C'est parti.
fois qu'on a bien fini de manger, je me suis détaché les cheveux. Et en fait, on va rien faire. Donc, je vais arrêter la vidéo là. Parce que on va rien faire d'intéressant. On va regarder des films, aller promener le chien. Et sinon, après, c'est tout. Donc, je vous retrouve demain pour un nouveau vlog.